Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de fonction quadratique ou fonction de degré 2, donc fonction de la forme f de x égale ax carré plus bx plus c avec a, b, c qui sont des nombres réels, mais en particulier la condition a différente 0. Parce que bien sûr si a égale 0 on a plus terme et à ce moment-là on est sur une fonction affine ou linéaire dont nous avons parlé auparavant. À la page 49, vous avez des exemples, notamment la fonction f de x égale x carré, dont la représentation graphique va un tout petit peu ressembler à ça, c'est-à-dire une parabole. Alors, ce qu'on peut dire de cette parabole, c'est que lorsque la valeur de a, donc le coefficient du terme de degré 2, est positive, la parabole est ouverte vers le haut. Lorsque a est ou la valeur de a est négative, alors la parabole est ouverte vers le bas. Voici en exemple la deuxième fonction de l'exemple 5.3 de la page 49. Je l'ai nommée f ici, peu importe, moins x carré plus 2x. Alors, ce qu'on peut constater, et qui sera valable pour l'ensemble des fonctions quadratiques, c'est que le domaine de définition est R tout entier. D'accord ? Dans le sens où il n'y a pas de condition particulière, puisqu'on n'a pas de racine et on n'a pas de dénominateur. Donc si je fais ici une droite verticale, mon test de la droite verticale me renseigne sur le fait que chaque élément possède exactement une image, puisque chaque droite verticale va couper la fonction en exactement un point. Par exemple, moins 1 a comme image moins 3. 2 a comme image 0, 0 a comme image 0. Ici, la fonction admet 2 0. On constate qu'elle est négative ici, négative de ce côté et positive entre 0 et 2. Alors, on a affaire à un trinôme du second degré, donc on a un certain nombre de résultats qu'on connaît sur ce trinôme, à savoir le signe du trinôme. Ici, les 0 de la fonction, on les a, c'est 0 et 2. On pourrait les trouver si jamais avec delta, bien sûr, ou par un autre calcul algébrique, avoir le signe de la fonction qui correspond à ce qu'on sait, c'est-à-dire f qui s'annule pour 0 et pour 2, qui est à l'extérieur des solutions et du signe de a, négatif, positif pour les valeurs intermédiaires, ce que nous retrouvons dans le graphique que nous avons ici. Donc première propriété que vous avez à la page 50, df égale r, pour f intero x, c'est-à-dire pour les zéros de la fonction, eh bien, on les détermine avec delta. Pour l'image de 0, c'est-à-dire pour f inter oy, eh bien, on a l'image de 0 qui est forcément c. Dans l'expression ax carré plus bx plus c, alors on a forcément le point 0c, qui en l'occurrence ici est le point 0, 0. Donc on retrouve ici une parabole, alors puisque a est égal à moins 1, on retrouve une parabole ouverte vers le bas. Cette parabole admet un sommet qui est le point S. Alors le point S est toujours d'abscisse moins B sur 2A. Moins B sur 2A. Et puis pour l'ordonner, on va prendre l'image. L'image de moins b sur 2a. Ici, on peut vérifier en prenant b qui est égal à 2, a qui est égal à moins 1, et donc moins b sur 2a est égal à plus 1, ce qui nous donne l'abscisse du sommet, et puis pour l'ordonner, eh bien, on calcule l'image. On a également cette droite-ci, qui est la droite verticale, x égale 1 dans l'exemple, de manière générale, x égale moins b sur 2a, cette droite étant l'axe de symétrie de la parabole. Prenons la fonction f de x égale x carré sur 4 moins x plus 2, dont vous avez également la représentation graphique à la page 50 et ci-contre. Alors, bien sûr, domaine de définition f égale r, le seul dénominateur qu'on ait, c'est 4, il ne dépend pas de x, donc aucune contrainte. L'ensemble image, en passant, c'est cet ensemble-ci. Ce serait l'ensemble de 1 jusqu'à plus l'infini, puisque tous les éléments qui ont une préimage sont les éléments de 1 jusqu'à plus l'infini, incompris. Alors nous avons la valeur de a qui vaut 1 quart, positive, donc la parabole est ouverte vers le haut, ce que nous constatons évidemment sur la représentation graphique.
Concernant l'intersection de f avec les axes, bien pour f inter OX, alors on peut calculer bien sûr delta, b carré moins 4ac, alors je vais reprendre les valeurs de b égale moins 1 et c qui est égal à plus 2, ce qui nous donne b carré 1 moins 4 fois 2 fois 1 quart, donc delta égale moins 1, aucune solution, f inter OX est l'ensemble vide. S ou ZF qui est égal à l'ensemble vide. Et ce que nous constatons également sur la représentation graphique. Pour F inter OY, alors nous prenons 0 et son image, en l'occurrence 0,2, et nous avons le point que je vais appeler B ici, qui est le point d'intersection de la fonction avec l'axe OY. Concernant maintenant cette parabole, elle admet en sommet le point S de coordonnées. Alors, on a dit que le point S avait systématiquement comme première coordonnée moins B sur 2A. Alors, faisons le calcul. B est égal à moins 1, ce qui nous donne moins B, 1, divisé par 2A, ça fait divisé par 2 fois 1 quart, c'est-à-dire divisé par une demi. 1 divisé par une demi, c'est 1 fois 2. Donc, on a effectivement S qui est de coordonnées 2 et son image. Alors, je vous laisse calculer l'image, on obtient 1, ce qu'on lit ici sur le graphique, 2A comme image 1, sommet de la parabole. Et on obtient immédiatement la droite X égale 2, qui est cette droite-ci, l'axe de symétrie de la parabole. Pareil avec l'exemple moins X carré, moins 6X, moins 6. Alors, on a le domaine de définition qui est égal à R tout entier. Si on regarde l'ensemble image de F, alors on peut constater que les éléments qui ont une préimage sont les éléments de moins l'infini jusqu'à 3. Ensemble image de F, moins l'infini, 3 compris. Pour F inter OX, on peut rapidement faire le calcul. Donc on a delta qui est égal à b carré moins 4ac. Alors b c'est moins 6, donc on a moins 6 au carré plus 36, moins 4 fois moins 1 fois moins 6, c'est-à-dire 12. Positif, donc deux solutions. x1 est égal à moins b 6 plus racine de 12, c'est 2 racines de 3, on peut sortir le cas de la racine, divisé par 2a, c'est-à-dire divisé par moins 2, donc on obtient moins 3 moins racine de 3 après simplification. Donc on a bien le point qui est ici, qui est le point A de coordonnées, moins 3 moins racine de 3 et deuxième coordonnée 0. Pareil, on va obtenir le point B qui est ici, avec la deuxième valeur, à savoir x2 est égal à 6 moins 2 racine de 3 sur moins 2, on met moins 2 en évidence, on simplifie, il reste moins 3 plus racine de 3. 2ZF est égal à moins 3 moins racine de 3, moins 3 plus racine de 3. F inter OY, c'est le point de coordonnées, je vais l'appeler C, il n'apparaît pas sur le graphique, C de coordonnées 0 et l'image de 0 qui est moins 6. A, c'est moins 1, donc parabole ouverte vers le bas. Et ensuite, on peut prendre encore les coordonnées du sommet de cette parabole. Alors le sommet, on le visualise ici comme étant d'abscisse moins 3 et d'image 3. Alors pareil, on prend moins b sur 2a, moins b c'est 6, sur 2a, sur 2 fois moins 1, moins 2. Donc on a bien moins 3 comme abscisse du sommet. Donc la droite x égale moins 3 est la droite verticale qui sert d'axe de symétrie à cette représentation parabolique, à cette représentation graphique qui est une parabole, et donc le sommet S de la parabole est de coordonnées moins 3, et on calcule l'image de moins 3, on obtient cette valeur 3 en l'occurrence. Voilà, merci pour votre attention, à bientôt.